Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne TRB Gamer. Aujourd'hui, je vous présente un tutoriel sur RPG Maker MV, à la création de jauges de confiance de bien et de mal. Je savais pas trop si jauge ça s'écrivait comme ça, mais je crois que oui, mais je suis pas sûr. En tout cas, c'est pas grave. Je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que ça donne. Là, pour ma part, je l'ai mis en événement commun, que je me le cale avec un petit système que j'avais fait sur les anciens tutoriels. Que là, tout de suite, en partant comme petit système, voir si ça fonctionne ou quoi que ce soit, je me mets tout de suite voir si ma variable, parce qu'il faut créer deux variables, hein? Une variable de bien, une variable pour le mal. Et là, ici, je m'affiche, voir s'ils sont bien à 0, sont bien à 0. Et là, on peut l'afficher ou on peut l'enlever. On va l'afficher. Elle affiche juste ici en haut. Puis là, c'est sûr qu'à cause de ma map, elle est pas, la hauteur est pas bonne. Mais là, elle tombe comme dans le noir. Elle tombe. Ben. Ça, pour ma part, je trouve ça pas spé. Mais vu que ça remplit mon trou noir, mais. Mais bon, mec, ça tombe vous autres sur, sur votre map. Des fois, la map va être plus grosse. Mais la jauge, elle se trouve être transparente. Mais le cadre, il est transparent. Quand la jauge se remplit, là, elle n'est pas transparente. Mais quand elle n'est pas remplie, elle se trouve être transparente. De toute manière, on peut l'enlever. Mais je vous montrer ça tout de suite. Là, je tape. Là, c'est le bien et le mal ensemble. Là, je vais juste vous montrer comme quoi que ça fonctionne. Le bien et le mal ensemble. Pas une dernière fois. On va faire juste le bien. Là, ici, je mets la variable de bien. Puis, je fais touche action. Puis, je contrôle ma variable de 5. Puis, mes choses sont environ de 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Alors ça tombe à 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100. La même chose pour le mal. Là, ça leur descend. C'est juste pour vous montrer comme quoi qu'on peut en perdre, pour pas en gagner. Le mal, la même chose. On peut en gagner et on peut en perdre. Ici, mettons que je fais une petite. Mettons, en tout cas, une petite. Vu que j'étais à la banque puis j'ai pas volé de sous, il me donne 10 points de. 10 points pour. La confiance en bien. Vous avez vu, je l'avais mis à 0. Je sais pas si. J'ai peut-être tapé une coche de trop là. Ouais, c'est ça. Une petite. Encore une petite correction à faire là. Quand tu vois là, il veut pas afficher. Il va le faire afficher. C'est parce que lui, il me l'ordonne tout le temps là. Tu vois, là, ça fonctionne. C'est juste parce que c'est comme je vous ai dit, je l'ai fait fonctionner de 10, 20, 30, 40, 50, 55 en montant. Mais là, il faut que je fasse en sorte comme quoi qu'entre les chiffres, il fasse ce qu'il affiche. Ben, en tout cas, c'est pas grave, il fonctionne très 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 bien. C'est comme je vous ai montré, il fonctionne très bien. Ça monte, ça redescend, il n'y a pas de problème. Puis en plus, c'est quelque chose. Mettons que là, on veut savoir, hop, moi, on est à combien. Comme je vous ai dit tantôt, on s'en vient le même. Là, on le sait ici. 10, 20% en mal, puis le 10% en bien. Là, on peut faire en sorte qu'on l'enlève. Là, il n'est pas là.
On peut s'en aller dehors. Puis on peut le faire afficher. Là, on a encore les. Il nous dit encore. On va le faire afficher. Je vais vous montrer vite fait. Vite fait. Sur l'éditeur que ça donne. Puis si ça intéresse certains. Ou en tout cas, ça dépend des commentaires. Mais je referai un tutoriel plus poussé. Puis sans faute, parce que là vous avez vu, il y a comme une petite faute, mais en tout cas, ça va vous enligner un peu. Événement commun. Événement commun. Jauge niveau confiance. Là, on est ici. Et là, j'ai créé ma variable. Variable. Jauge. Toi, ici, je l'ai mal marqué. En tout cas, c'est pas grave. Jauge bien, puis jauge mal. Un coup que ça s'est fait, là vous pouvez créer vos branches de conditionnel. Si c'est à 0, vous effacez toutes les images. Si c'est égal à 10, vous affichez une image, vous effacez les autres. Si c'est égal à 20, la même chose. Vous effacez toutes les autres images, vous n'affichez rien qu'une. Ainsi de suite. C'est égal à 40, mais c'est ça, c'est comme. Faut que je fasse deux ou trois pour un. En tout cas, c'est un petit peu long à faire, mais un coup qui est fait, c'est le fun. Puis c'est mieux de le faire en événement commun, parce que regardez comment que ça fait du stock. Ça, c'est. Ça prend tout ça, là. Le bien et le mal. Et là, on est dans le mal, on remonte dans le bien par en haut. On s'en va dans le bien. Puis là, mais moi, j'ai fait en sorte comme quoi que je peux l'activer sur un autre juste ici, interrupteur de jauge. Là, ici, mais là, ça me dit mes variables à combien qu'ils sont en texte. Là, je fais afficher un choix. Interrupteur on ou off. Là, ce qu'il fait ici, il tombe à on ou à off. Parce que là, ici, il va tout le temps tourner vu qu'il est en parallèle. Il va tout le temps vérifier mes branches de conditionnement. Comme ça, mais là, si ça bouge à quatre parts, mais il va m'afficher la photo qu'il a de besoin. La photo de 15%, la photo de 20%, 40%. Là, hop, on est rendu à 75%. Mais là, on vient de perdre 20, mettons 20 points, n'importe quoi. On revient à 60. Mais là, il va falloir qu'il efface les photos d'avant parce qu'on est revenu là. Mettons que ça joue, hop, on descend à 20, puis hop, on remonte à 60, 70, mais là, il faut qu'il efface les photos d'avant. C'est pour ça que ça fait beaucoup de photos, rien que dans une. Puis, les photos, ben là, vous le savez un peu, là, on s'en va sur Photoshop, puis on fait un genre de cadre comme ça. Ça vous prend encore le même size de votre map. Moi, c'est 17 par 10. Puis là, mais sur Photoshop, vous venez le placer là, le plus près possible où ce que vous voulez. Si dans le jeu, ça tombe parfait, mais tant mieux. Si ça change, mais là, quand vous affichez la photo, vous pouvez bouger un peu la photo là, avec le X puis le Y. Mais c'est ça. Je pense que c'est le Y, c'est de haut en bas. Le X, je pense c'est de gauche à droite. C'est ça. Là, c'est ça. Ben, sur Photoshop, mais là, c'est ça. Là, ici, c'est le 100%. Que là, ça vous prend le cadre avec un centre. Là, vous le mettez dans votre jeu en picture, en PNG. Un coup, vous avez votre centre, mais là, vous venez, puis c'est long, là. Là. Soit vous attendez d'avoir le pack projet V3, ou soit que. Parce que vous l'envoyez en lien. Là. Faut sauvegarder ici, c'est 10% en rouge. 20%. Faut sauvegarder chaque photo une à une. C'est vraiment long, là. Là, 50 en montant, une à une. C'est pour ça que c'est long. Puis là, mais. Dans le jeu, mais là, ça donne. Ici. 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 Jauge.
Regarde, vous voyez mes jauges, là, regarde ma jauge, c'était vide. Puis après ça, ici, ça se remplit là, en mal, en bien, en mal, en bien, en mal, en bien, en bien. Là, ça se remplit de plus en plus. C'est ça, c'est une photo par photo. Quand que, ça y va avec les variables, comme je vous ai dit. Là. Puis mes petits bonhommes ici qui t'approchent. T'en action, touche action, contrôle la variable de plus 5, ce qui fait que ça monte tout, tout tranquillement. Puis là, mais quand elle est égal à 100, mais je tombe l'autre bord. Ouais. Non, quand elle est égal à 100, on contrôle l'interrupteur à A. Tombe là, puis là, mais là, ça redescend. Moins 5. Puis là, mais ici, mon système de banque, à la fin, je dis, vu qu'il n'a pas volé la banque, mais là, je contrôle la variable de jauge bien plus 10. Que là, ça va m'afficher mon 10% en rouge. Puis ensuite, mais là, celui-là, le niveau de jauge avec toutes les photos, tout le système, il est contrôlé par l'interrupteur. Parce que lui, il roule en parallèle. Il est contrôlé par l'interrupteur ici. On-off par les choix. Si on fait off, on efface tout. Sauf qu'on contrôle pas les variables. Parce que quand on réaffiche, on veut que ça affiche à bonne place. Puis la commande spéciale que j'ai parlé dans les autres tutoriels, complètement bas, je l'ai ajouté. Ce qui fait que sur ma commande spéciale, je l'ai dans mon ajout, que là, je peux tout ajouter qu'est-ce que je veux. Que si ça intéresse du monde, vous pouvez laisser des commentaires. Puis c'est quelque chose, mais j'ai envoyé le projet à V3, mais je m'ai laissé dedans, puis sans bug, tout bien placé, tout bien fait. Que je vous dis à la prochaine, les amis, à bientôt pour un prochain tutoriel. Bye.